Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'école Roger Salengro pour rencontrer Monsieur Hasbrouck et un élève et un parent d'élève pour évoquer les espaces numériques de travail, les ENT. Monsieur Hasbrouck, merci de nous accueillir dans votre classe. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est un ENT ? ENT, ça signifie espace numérique de travail. C'est, pour faire simple, un couteau suisse informatisé. Voilà, on a un espace dans lequel il y a plusieurs applications qui permettent aux élèves soit de communiquer, soit de créer, soit de s'informer, voilà, à travers cet espace. C'est quelque chose qui est tout à fait sécurisé dans la classe, puisque chaque élève, chaque parent et chaque enseignant a un identifiant particulier, individuel, ce qui permet de mettre en place un environnement tout à fait sécurisé sur l'espace numérique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu fais avec l'ENT à la maison ? L'ENT, ça sert à avec des exercices. Et il y a qu'est-ce que monsieur il nous met. Par exemple, si on n'a pas les devoirs dans notre agenda, eh ben, on les voit dans notre ENT. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à regarder son agenda et c'est vrai que si on ne l'a pas, ben en fait, dans l'application, il y a le cahier de texte et en fait, on voit les devoirs qu'il y a à faire. Ça, et on peut communiquer aussi avec le professeur. Moi, je sais que j'ai été un petit peu embêtée par rapport à son sport, un oubli de vélo. Donc tout de suite, j'ai envoyé un message au prof et monsieur répond assez vite. Donc c'est bien, au moins, on peut communiquer avec le prof aussi. Alors, il faut savoir que ce dispositif s'est déployé depuis l'année dernière par rapport au Covid et beaucoup d'enseignants se sont appropriés cet outil. Une formation qui a été proposée par l'Éducation nationale a été soumise à tous les enseignants de la circonscription qui ont été volontaires. Donc on a suivi cette formation et on s'y déploie un petit peu chacun à son rythme. Comme pour les enfants, comme pour les parents, comme pour les enseignants, c'est chacun à son rythme en fonction de l'utilité qu'on en a. Ceux qui étaient en ENT, vous quittez votre session, calcul affiche ici. Ici c'est enregistré, vous éteignez les ordinateurs calmement. On ferme, on éteint, il est l'heure. Donc l'ENT est un outil qui va tendre à se propager dans nos écoles élémentaires et surtout permettre aux enfants de CM2 de rentrer de plein pied au collège avec d'autres outils qu'ils vont pouvoir utiliser. A bientôt pour un prochain numéro.